on est honoré de votre présence au 16e festival de Kolkoa à Los Angeles. Vous n'êtes jamais venu à Los Angeles? Non, c'est la première fois. Mais par contre, vous êtes acteur depuis très longtemps, depuis que vous êtes petit. Depuis que je suis petit. Hein. 10 ans. Depuis que j'ai le premier casting, j'avais 9 ans. Alors là, vous êtes l'acteur principal d'un film que je n'ai pas vu, dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien, qui est le film de Claude François, Clo-Clo. Alors, oui. Vous êtes amusé à faire ce film, j'imagine? Ouais, c'était intense, c'était un peu fatigant avec toi parce que ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Parce que je ne savais pas danser ni chanter avant, ni être Claude François. Mais c'était drôle, c'était intéressant. Passionnant. Et puis, nous travaillons avec Florent et Lilo Cyril, c'était. Enfin, le tout était bien, mais à des points effectivement. Donc combien de temps pour apprendre à chanter et à danser? Parce que vous ne pouvez pas chanter, ça ne peut pas être votre style. En plus, il faut chanter et danser Claude François. Bien sûr, puis parler comme lui, le regarder, énormément de temps d'observation. J'ai pas mal de coachs aussi avec qui j'ai travaillé, qui m'ont aidé. Et donc combien de temps? Ça fait, j'ai eu 6 mois de préparation. 6 mois de préparation. Alors maintenant, on va aller chanter avec vous. Alors, donc c'est vous qui chantez dans le film? Bah, certaines chansons. Et puis d'autres, c'est la bonne chanson. Merci. Et puis, alors, bonne semaine à Los Angeles. Ah, 3 jours, je vous fais 3 jours. C'est va et vient. Merci.